Pierre Roubat au fond et on va retrouver MLK qui nous propose des graffeurs, des danseurs, mais aussi des chanteurs qui font du rap. Allez, c'est parti. Yo, ok. Hey. MLK 974. 974, MLK, ouais. Oh, ok. Vas-y, tu casses notre train là, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec. Ou pas notre train de répéter la connerie. Je suis avec le chanteur d'MLK, d'ailleurs, ils vont se présenter. Moi, c'est Tony, Matom. Voilà, Matom, Chica représente. Faut que ça pète dans tes tympans. C'est l'arme de guerrier, je suis là pour te mutiler. Écoute le son, pas tes fesses, flamme en armée. Lâché sur la scène comme un rat de marée. C'est bien du rap taré. Et pas un truc de péré. Donji. Moi, c'est TZ. Obligé de respecter, d'accepter. Le RAP, mais une réunion. De prospecter, chercher la faille qui pourrait stopper notre ascension. Que notre hip-hop n'est pas en arrière. Si on en est fiers, écoute à nous. Écoute à nous, sur ton rap. Tu doutes, non. Où les failles depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Voilà, on vous a dit, dans MLK, il y a des graffeurs, il y a des danseurs, mais il y a aussi des rappeurs. C'est quoi le rap? Le rap, c'est une musique qui est née aux États-Unis dans les années 70. Elle a immigré en France dans les années 80, comme ça, et après, beaucoup de Réunionnais qui habitaient en France, qui sont venus ici à La Réunion, ils ont essayé de faire passer cette culture ici à La Réunion. Et pourquoi le rap? Qu'est-ce qu'on peut exprimer à travers le... Prends ton micro, s'il te plaît. Ok, pour moi, le rap, c'est un moyen d'expression avant tout. Donc, on peut s'exprimer sur tous les sujets, à part qu'on est censuré, quoi. Ok, DJ, fais péter le son, on va rapper maintenant. 9-7 commence le combat, pas conscience dans l'assiette, mais les gars lavent la roi, on dit s'en va. Toute la commande d'un site et la rocaille. Un bon naf, un bon son, pareil pour faire l'opération, rap pour les gars en bas. Quelques tâches finales, bon, fais pas le con, après si ça, l'origine nous drape le combat. Même si l'argent il rentre pas trop, on s'en va. À coup de pitié de passe, on soulève de vrais débats. Pas ring, j'en ne clip, non, désolé. Chez moi y'a pas d'arène, c'est ces femmes de gosses que j'aime. Au condamne c'est blasphème, c'est pas en parlant de sexe sans cesse qu'on changera le système. Ouais. On veut de l'amour du respect pour toutes nos filles, nos femmes et nos mères. Nos familles doivent rester unies même dans les temps de galère. Dans les temps de galère. Dans les temps de galère. Ouais. Au du microphone on s'élève qu'un impact. M-A-T-O-M, M-L-K, 974. Dom-dom, ça mène ça. On poursuit le combat au contact. Du microphone on s'élève qu'un impact. M-A-T-O-M, M-L-K, 974. Dom-dom, ça mène ça. Notre putain de rap résonne. On poursuit le combat. Notre putain de rap résonne. On poursuit le combat. Notre putain de rap résonne. On poursuit le combat. Notre putain de rap résonne. J'ai jamais entendu un morceau de rap sans gros mots, sans injure. Ah. Est-ce que pour avoir un bon rap, il faut absolument jurer dedans? Non, il faut écouter le dernier album de MLK, justement, Cosmanticolon. On va rendre compte que n'a point de juron, n'a point de tout ça dedans, quoi. Et nous, gars, exprime des choses concrètes, sensées, conscientes, sans forcément jurer, non. Mais pas d'accord avec ça, super, quoi. Super. On s'est donné rendez-vous au tampon, plus exactement au 14e, dans le studio d'enregistrement où je vais rejoindre Z. On bloque la route, c'est bon, c'était bon, là. Viens voir, viens, on écoute. Parfait. On écoute. Non, mais viens nous rejoindre. Viens. Ok. Il est en studio, il est en plein travail. Il travaille sur quel morceau, là? Ça, c'est le morceau Révolution. C'est sur l'album MLK. On est en train de refaire pour la scène. Viens, passe là. Hop. Ok, ok. On retravaille le couplet. Maison. Vous retravaillez le couplet? Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'instrument dans vos rap? Vraiment un petit peu de tout. Tu peux trouver tous les instruments que tu as dans un groupe en général. On peut avoir de la basse, déjà la basse obligée, ouais. De la guitare. On peut avoir des percussions aussi. On a des morceaux comme 9-7-4 qualité, on a des percussions, tout ça. On peut les jouer à la base. Et qu'après, on a des vrais musiciens qui viennent et qui posent notre vibration dessus. Est-ce que de temps en temps vous enregistrez, vous entendez les canards? Est-ce que de temps en temps vous enregistrez les bruits de canards? Ça la quoi, même qu'on est. Hein. Alors, parce que là en fait on est en train de composer un morceau. Déjà la musique ça prend des heures et des heures, hein, parce que c'est instrument par instrument. Instrument par instrument. Donc voilà, et puis là on est en train de chercher un texte pour 6 minutes. Donc on va commencer, Katiana pour le 6 minutes, les coulisses, MLK, le son il glisse, nous l'emprise. Véro à l'area, fable son, qui a la caméra, nous vient présent, Cosmos Colomb. Un album dans les bacs, c'est du bon son. Télé-réunion, toujours à la recherche de nouveaux talents. MLK, rap indépendant. On a mis des heures à trouver la musique, on a écrit un texte hyper vite fait parce que Donji était super inspiré. Et maintenant, DJ envoie parce que là, on va enregistrer. Ouais. Yo, MLK.
On va écouter en fait ce qu'on a fait tout à l'heure avec Donji. Allez. On s'écoute ça. Allez, parti, c'est parti. Parti. Allez. Ouais. Yo, MLK. Les coulisses, c'est qu'un écart, le son glisse. Nous les enfils, avec des mots à la ria. Pas de son, si la caméra. Nous viens présente, causement, sous le long. Un album dans les bacs, c'est du bon son. Des réunions, toujours à la recherche de nouveaux talents. MLK, MLK, rappel dépendant. Vous voyez, le rap, au check. Le rap, vous voyez, c'est quand même une vocation, on peut pas faire ça comme ça, il faut, voilà, faut baigner dans l'univers, faut avoir ça dans les tripes, quoi. Donc je prends des cours, les gars, hein. Ouais, ok. Je reviens demain. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 6 minutes. C'est sans générical.